Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour l'11e épisode d'Adkia Suisse à map Campaign of France. Du coup aujourd'hui comme dit on se retrouve pour l'11e épisode et dans cet épisode qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien tout simplement comme vous pouvez voir j'ai attelé la petite fanouse derrière le petit 1630 parce que j'ai accéléré un petit peu le temps, j'ai avancé un tout petit peu dans les activités, c'est-à-dire que comme vous pouvez voir j'ai fait une deuxième coupe, voilà j'ai accéléré le temps de 2 jours, j'ai fait une deuxième coupe sur l'herbe, j'ai endonné cette parcelle là entière bien évidemment et j'ai également endonné les contours des parcelles 45 et 47, voilà donc j'ai fait un tour de champ pour simplement pouvoir les faner sans que ça mette de l'herbe trop loin dans les bords de champ on va dire, du coup je ne pourrais pas le ramasser, c'est pour limiter la casse on va dire. Également ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai fini avec la sarcleuse, j'ai fini avec les pandores en engrais, donc là les cultures sont prêtes à pousser. Donc il va falloir également semer les 3 parcelles que j'ai encore à semer, enfin ouais 3 parcelles c'est ça. Donc là il y a déjà une parcelle qui a été chômée, donc ça on va pas trop traîner, celle-là ouais, quasiment prête pour la récolte déjà. Donc ouais, la prochaine étape ça va vraiment être de déchômer, voire même labourer ces parcelles-là, tout ça c'est quasiment prêt pour la récolte, enfin ça va quand même aller assez vite. Mais bref, c'est pas l'objet de cette vidéo, pour le moment on va s'occuper de faner l'herbe pour pouvoir avoir un petit peu de foin, parce que oui le but en fait c'est que là je fasse du foin et de l'ensilage pour nos amis les vaches, voilà pour notre petite meumeu, parce que oui on va bientôt accueillir les vaches. D'ici très très peu de temps, bah, j'espère d'ici le prochain épisode, étant donné que là mon but est de tout presser, non seulement pour avoir des ballots de foin, mais également avoir des ballons enrubanés, parce que bah, en fait les ballons enrubanés je ne vais que m'en servir pour les vaches, voilà bon là du coup je prends un petit raccourci, honnêtement j'ai pas envie de me faire chier à faire tout le tour, j'en suis désolé mais bon voilà, mais non du coup j'ai pas envie de m'embêter à faire de l'ensilage etc, là ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est faire de l'ensilage vraiment simplement entre guillemets avec les ballots comme ça au moins, bah, c'est marrant ça, je pensais que ça éparpillait plus sur le côté, bon bah autant pour moi, mais non en fait j'ai pas envie de m'embêter à faire de l'ensilage pour après le ramasser avec le godet, le mettre chez les vaches et tout, parce qu'il y a un robot tout ça c'est pratique, mais j'ai pas envie de m'embêter à tout ramasser, donc je me dis bah autant faire des ballots comme ça au moins je prends 6 tonnes à la fois et tranquille quoi, voilà tranquille peinard, donc c'est le but. Alors là du coup petit 1630 si t'arrives à monter ça serait encore plus incroyable. Mais du coup pour cette vidéo ça m'étonnerait qu'on réussisse à faire tout ça, même l'enrubanage tout ça ça m'étonnerait très très fort. Le but vraiment de cette vidéo c'est de réussir à au moins faner, endainer et peut-être même commencer à presser. Je vais essayer de tout faire pour pouvoir faire ces 3 activités là dans la vidéo. Alors bon également désolé du coup je ne peux pas dézoomer la caméra avec le 1630. Voilà il y a un petit bug sur le mode, bon après c'est rien de bien méchant non plus. Voilà c'est des petites choses qui arrivent. Et également je suis en train de voir que la faneuse elle tourne pas vraiment rapidement sur cette machine là. Bon, enfin sur cette machine là elle tourne pas très rapidement. Pour moi ça tournait un peu plus vite les faneuses. Bon après ça se trouve je me trompe hein. Bien sûr c'est pas impossible du tout, même bien au contraire c'est même probable hein, en soi, parce que c'est vrai que moi la faneuse c'est très rare quand j'en vois dans la vraie vie. Et moi ce que j'adore quand même c'est qu'on voit le dessous de la map. Donc là tu vois vraiment les arbres, bah en fait les arbres ils sont pas chiés. Voilà vraiment les arbres, y a pas de racines, y a rien. Mais bon voilà c'est la partie cachée de l'iceberg j'ai envie de te dire, donc on s'en moque un petit peu. Appelez. Ah, par contre là c'est bizarre, là je passais dessus. Je passe dessus mais ça ne le prend pas. Ok, bon, va falloir faire très attention. On va serrer un petit peu plus à droite. Voilà, comme ça, ça devrait le faire. C'est bizarre que ça ne le prenne pas. Mais bon, bah écoute, c'est comme ça. On va essayer de pas trop rouler dans ce sens-là. On va essayer de plus rouler dans l'autre sens. Hop. Voilà, alors la repule, mon petit tracteur. Bon après bien sûr s'il y a des petits oublis à droite à gauche, vraiment c'est pas grave. Je sais que pour ceux qui me connaissent depuis pas mal de temps, vous savez que j'aime pas quand c'est fait à moitié ou un truc comme ça. J'aime bien quand c'est vraiment bien travailler tout ça, quand c'est bien fait le travail. Donc non c'est vrai que bon on va faire avec, c'est pas la fin du monde non plus. Là ce qu'on va faire vite fait c'est que là hop, on va reprendre le petit bout que j'ai mal fait ici, voilà. C'est vrai que ça par contre c'est bien avec ce tracteur, c'est l'angle de braquage. Vraiment ce tracteur là mais il tourne mais comme un dieu limite. J'allais dire c'est un dieu du braquage, mais c'est un peu ça peut être un peu mal interprété on va dire. Non vraiment il tourne hyper bien ce tracteur là et c'est pour ça également que j'ai envie de le garder jusqu'à la fin. Donc la fin qui sera d'ici pas si longtemps que ça au final si on regarde. Est-ce que là on en est à l'épisode 11 et honnêtement je sais pas si j'arrête à l'épisode 15 ou à l'épisode 20. Honnêtement j'ai envie d'arrêter soit au 15 soit au 20, je ferai pas plus de 20 épisodes je pense pas. À moins qu'il n'y ait vraiment pas de belle map qui sorte d'ici là. Ce qui m'étonnerait, voilà ça m'étonnerait, j'espère quand même qu'il y ait une belle map qui sort d'ici d'ici 9 semaines on va dire. Vu que je fais une vidéo par semaine. Mais non c'est vrai que la campagne of France c'est une très très belle carte, je ne dis pas le contraire. Mais c'est vrai que là du fait que je l'ai déjà vu sur le 19 et que j'avais fait 40 épisodes dessus,
Bah, ça fait que je me lasse un petit peu, quoi. On va dire ça comme ça, je me lasse un petit peu de la carte. Après, encore une fois, c'est une très très belle carte, mais j'aimerais bien voir autre chose, quoi. On va dire ça comme ça. C'est pour ça qu'également je ne ferai pas de série sur le Petit Ouest. Magnifique carte, hein, bien sûr. Ça c'est sûr. Je disais donc, je ne ferai pas de. voilà. Excusez-moi pour cette petite coupure. C'est les joies d'être encore un petit peu malade, vraiment un tout petit peu, vraiment un tout petit chouïa. Mais non, en gros, c'est vrai que je ne ferai pas d'épisode, enfin de série, j'allais dire d'épisode, mais non, mais du coup, pour avoir un épisode, faut que tu fasses une série, Linus. Je ne ferai pas, enfin, tu vas me dire, pas forcément, mais non, je ne ferai pas de série sur le Petit Ouest pour la simple et bonne raison que oui, c'est une très belle carte, bien évidemment, mais vu qu'on l'a déjà eu sur le 19 et que je l'avais bien saigné sur le 19, je trouve que c'était, enfin, pour une carte que j'aimais bien, on va dire, je l'avais bien saigné, c'est-à-dire que c'était pas du tout ma carte préférée de tous les temps, j'ai envie de te dire. Encore une fois, c'était une belle carte, mais c'était pas la carte que je préférais par-dessus tout, et pourtant j'avais quand même passé pas mal d'heures dessus, donc je me dis, ça vaut pas la peine en fait de refaire la même chose, etc. C'est un peu comme cette carte-là, je l'aime beaucoup, honnêtement, c'est loin d'être ma carte préférée, hein. Bien sûr, vous savez tous que ma carte préférée, c'est la Belgique profonde, voilà, ça c'est un truc de la version d'FS13, c'est juste phénoménal. Bon, après, bien sûr, il y a aussi les Chazés, la Ferme Limousine, la Haie des Lutons, tout ça, des anciennes cartes que j'adore, hein. Bien sûr, bon, après, il y a des cartes plus récentes que j'aime beaucoup aussi. L'Outstream, je l'aimais beaucoup, mais bon, c'est vrai qu'avec le temps, on a un peu trop vu et tout ça. Enfin bref, voilà, je n'aime pas que les anciennes cartes des anciens farming. Bon là, désolé, hein, c'est pas très réaliste ce que je suis en train de faire, je suis en train de me dire. Mais non, j'ai envie de dire, il y a plein de cartes que j'adore et que je trouve très très belles, etc. Mais c'est vrai que, bah, en fait, le problème, c'est qu'on a beaucoup de cartes qui étaient déjà présentes sur les anciens farming et sur lesquelles on a déjà beaucoup joué. Et c'est pour ça que, bah, malheureusement, moi, ça me lasse très rapidement. C'est que, bah, je connais déjà. Voilà, j'ai déjà joué dessus et ça m'intéresse pas de faire constamment la même chose. En toute honnêteté, ça ne m'intéresse pas de faire constamment la même chose, c'est-à-dire que là, la campagne of Orange, j'ai même pas installé sur FS22 parce que, bah, en fait, ça me saoule. Vraiment, ça me saoule, ça fait 4 farming qu'on l'a. Au bout d'un moment, j'aimerais bien voir autre chose, quoi. J'aimerais bien voir des cartes plus innovantes, on va dire, enfin, plus innovatrices, des nouvelles cartes, des cartes qu'on n'a pas encore vues, des cartes inédites, des belles cartes. Après, attention, hein, bien sûr, je dis pas que les cartes qu'on a là sont moches, hein, bien sûr, c'est pas du tout le cas. Mais après, voilà, ça reste que mon avis. Donc, tout ça pour dire qu'en gros, cette série-là, du coup, elle va s'arrêter d'ici 4 à 9 épisodes. Voilà, ça dépend, 4 ou 9 épisodes. Je verrai bien en fonction des cartes qui sortent, voilà, en fonction de ce qui me plaira en termes de cartes. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit ouvrier. Du coup, je vais mettre un petit ouvrier. Ouais, vous avez vraiment, en fait, quand je parle trop, en fait, ça me... faut que je tousse. Voilà, faut limite que je tousse. Donc là, on va mettre un ouvrier. Parce que mine de rien, on est déjà à plus de 7 minutes de vidéo. Donc toi t'es parti. Voilà, nous on va prendre le petit IH et on va commencer à en délai tranquillement. Et encore, je pense que je vais devoir mettre un ouvrier aussi si j'ai envie de presser. Parce que là déjà on est à quasiment 8 minutes de vidéo. Ça passe à un temps fou. Moi ça passe hyper vite et vu que j'aimerais beaucoup au moins presser une partie de la parcelle qui est là. Bah du coup je vais au moins ouais hop. Vas-y, on fais-moi ça tranquillement, chef. Allez, on active la presse, n'importe quoi, l'endéneur. J'aimerais au moins faire une parcelle, on va dire, à chaque fois. Et bah, je pense que là, ce que je vais faire, c'est que ouais, pour l'endéneur, je vais faire pareil que pour la faneuse. C'est-à-dire qu'en gros, je vais commencer... Enfin, je vais faire cette parcelle-là. Je vais commencer l'autre en faisant un tour, histoire que l'ouvrier puisse se débrouiller. Et puis bah, après, je mets un ouvrier, quoi. Je pense que je vais faire ça comme ça. Ça va être la manière, entre guillemets, la plus logique de le faire. Donc ouais non, je pense que ça va être la manière la plus logique de le faire, histoire que je puisse quand même faire un petit peu tout ce que je veux. Et encore une fois, mais malheureusement, comme vous le savez, là en ce moment c'est très compliqué pour faire des vidéos, etc. Je n'ai absolument pas le temps. Et encore, je commence un petit peu souffler, on va dire. C'est-à-dire que là je bosse tellement comme un chien pour les cours. Désolé de dire ça comme ça, mais c'est vrai. Je bosse tellement comme un chien pour les cours que là en gros je suis sur le point d'avoir quasiment fini tous les gros contrôles. Toute la grosse période de stress avant les vacances va être passée. Après attention, ça ne veut pas dire que la période de stress est complètement passée, non, parce que j'ai quand même des trucs pour après les vacances que je dois faire pendant les vacances. Enfin bref, vous voyez un peu le délire, mais en tout cas, tout ce qu'il y a à faire avant les vacances, ça va très vite être terminé. Donc entre guillemets, ça me soulage un petit peu quand même dans un sens, bon pas totalement hein, bien sûr, mais un petit peu quand même. Tiens d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter pour faire la petite miniature. Ouais, ça peut être sympa comme ça, avec la forêt derrière et un petit peu de brume. Après c'est vrai que le brouillard là, ça peut peut-être un petit peu gâcher la photo. Ouais bon, ouais, voilà c'est bon. Hop. Voilà. Là on est pas trop mal. Ouais, parfait. On n'est pas trop mal, voilà, hop, on enlève ça, parfait.
Nickel, et on est reparti. Voilà, bon désolé, du coup j'ai tapé mon micro de temps en temps. C'est juste qu'en fait il faut savoir que mon micro je l'ai juste sous moi en fait. Voilà, je l'ai vraiment sous mon menton en fait. Et bah, en fait j'ai j'ai ma manette juste derrière, donc en fait bah avec les mains parfois je tape le câble du micro. Merde, j'ai fait n'importe quoi là avec l'endroit. Je tape le câble du micro, donc bon c'est vrai que parfois ça peut peut-être faire des petits à-coups, j'en suis désolé. Faut que je fasse plus attention tout simplement. Bah attends, hop, j'ai reculé mon clavier. Voilà, comme ça j'ai plus de place pour les mains. Oui, parce que c'est vrai que j'avais le clavier du coup derrière qui me gênait un petit peu, parce que oui, pour ceux qui se demandent, du coup je joue à la manette. Voilà, je joue avec une manette d'Xbox Xbox One, je crois, une connerie comme ça. Enfin bref, c'est vrai que moi niveau Xbox j'y connais rien, hein. Désolé mais j'y connais vraiment absolument rien niveau Xbox. Mais non, du coup je joue avec une manette d'Xbox pour la simple bonne raison que bah, clavier je suis pas spécialement fan. Enfin là j'essayais d'y jouer, mais le problème pour moi vraiment avec clavier souris c'est tout ce qui est chargeur. Avec la souris j'ai beaucoup trop de mal, c'est horrible. Vraiment moi c'est pas mon délire. Après volant, j'en ai eu un, j'ai pas forcément envie d'en avoir un, dans le sens où, enfin j'en ai même eu deux pour ceux qui savent pas, j'en ai eu deux il y a quelques années. Bah d'ailleurs c'était quand j'avais commencé à faire me cacher, je l'avais encore mon deuxième volant. Donc non en vrai c'était très sympa hein, bien sûr, mais j'ai eu tellement de problèmes avec les petits moteurs là pour les retours de force et tout ça. Enfin bref, j'ai toujours eu des problèmes avec les volants, donc j'ai très vite abandonné l'idée. Et puis voilà, bah, la manette je suis habitué, c'est pas trop dérangeant. Et puis comme ça me permet aussi de jouer un petit peu à tout type de jeu. Parce qu'également, oui, du coup, ça c'est un truc que c'est une question que je voulais vous poser aussi. Histoire d'avoir votre avis par rapport à ça. Bon après, je sais pas trop si je le ferai ou pas. Honnêtement, ça reste à voir sur le long terme. Mais c'est pour ça aussi que je voulais vous poser la question. Parce que bah moi en fait je sais pas. En fait, si, enfin pour ceux qui ne savent pas, du coup il y a le jeu Avatar Frontiers of Pandora, donc les frontières de Pandora, qui est sorti là il y a quelques jours. Je disais donc, il y a le jeu Frontières de Pandora, enfin Avatar et Frontiers of Pandora, là, frontières de Pandora, qui est sorti il y a quelques jours, bah, à l'heure à laquelle la vidéo sortira, ça fera quasiment une semaine, parce qu'il est sorti le 7 et cette vidéo sortira le 11, le 11, n'importe quoi, on est le 11 quand je la tourne, basse. Voilà, oui, je me parle à moi-même. non, du coup, il sera sorti. Il y a 6 jours, le jour où la vidéo sortira. Et honnêtement, c'est un jeu qui me tente énormément. Voilà, bon, c'est vrai qu'il coûte 70 balles, c'est un peu cher. Mais c'est vraiment un jeu qui me donne envie. Très sincèrement, il me donne vraiment envie parce que moi, le monde d'Avatar du film, hein, Avatar, hein, bien sûr, le monde d'Avatar comment dire, me plaît énormément. Vraiment, c'est un monde que je surkiffe, c'est un monde que je trouve magnifique, que ce soit d'un point de vue histoire ou d'un point de vue graphisme ou d'un point de vue de tout, vraiment la culture, tout ça, vraiment c'est un monde qui me fascine. Et en fait c'est vrai que le jeu du coup il me donne vraiment envie, mais la vraie question c'est est-ce que ça vous intéresse que je fasse un mini let's play là-dessus sur ce jeu. Autre, ça changerait un petit peu de farming. Et bon, surtout bien sûr, faut savoir également que ça sera pas avec les meilleurs graphismes au monde, parce que j'ai regardé et en gros mon PC pourrait tout juste faire tourner le jeu. Oui, j'en suis arrivé à ce point-là. Oh mais punaise, l'ouvrier qui m'a fait n'importe quoi. Bah oui, mais ça c'est la fameuse qui fait ça, chef. Ça c'est la faneuse qui fait n'importe quoi aussi. Ah c'est chiant ça, merde. Bah oui, parce que du coup il prend plus large d'un côté que de l'autre. Du coup bah l'ouvrier il calcule pas forcément comme ça. Donc ouais bon bah tant pis, écoute hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. On va remettre un ouvrier à faire un aller-retour comme ça. Et puis tant pis hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Qu'est-ce que tu veux que je te dise. Bon bref, mais non, tout ça pour dire que bah, en vrai je sais pas trop si je vais faire un let's play pardon dessus ou pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Après ça serait pas là dans l'immédiat, ça serait d'ici quelques semaines voire quelques mois, quand je pourrais un peu plus jouer entre guillemets, parce que c'est vrai que là je ne peux plus jouer en fait, très clairement. Là je m'oblige à faire 2 vidéos par semaine, je me force à jouer 2 fois par semaine. Attends, on va te remettre du coup là juste à côté à refaire la bande parce que j'ai la flemme de le faire moi-même. Mais en gros ouais non, je me force à jouer au moins 2 heures par semaine pour pouvoir vous faire les 2 vidéos, parce qu'il faut savoir qu'en dehors des vidéos je ne joue pas, je ne joue absolument pas, ce qui est un peu contradictoire parce que bah du coup là j'ai dû préparer la vidéo etc, donc vous allez dire c'est un peu contradictoire, t'as joué et tout. Oui j'ai joué, mais en fait je joue pour préparer, donc en fait ça compte dans les 2 heures, ça compte dans les 2 heures que je passe par semaine à jouer, donc c'est vraiment 100 fois rien comparé à ce que je faisais avant. Mais c'est comme ça. Donc est-ce que ça vous tenterait que je fasse un petit let's play sur Avatar le jeu en fait, d'ici janvier, février, un truc comme ça, quand je pourrais un petit peu plus respirer. Je dis pas que je pourrais vraiment respirer hein, honnêtement, voilà. Mais est-ce que ça vous tenterait, oui ou non? Voilà, c'est ma question, c'est ma proposition, c'est ce que je vous propose, j'ai envie de dire.
Donc toi t'es parti, donc toi on va en profiter pour te rentrer. Mais non vraiment n'hésitez pas à me le dire, parce que c'est vrai que moi le jeu il me donne envie. Et je pense que je vais me l'acheter, que je le fasse en série ou non. Je pense que sur Instant Gaming on peut le trouver à 50-55 euros. Donc en vrai ça limite la casse on va dire. Parce que c'est vrai que 70 balles pour un jeu qu'on a fini en moins de 20 heures, ça pique un peu on va dire hein. Ouais ça pique un peu parce que j'ai regardé. Et puis vraiment ici ouais, entre 15 et 20 heures le jeu il est fait. Alors après je sais pas si en dehors du mode histoire entre guillemets on peut jouer aussi au jeu ou pas, enfin ou pas, ou alors si c'est vraiment entre guillemets juste histoire et puis après bah tant pis pour ta gueule. Ça je préfère voir aussi encore, je préfère encore attendre un petit peu avant d'acheter le jeu pour savoir ce qui se passe une fois que le jeu il est terminé on va dire. Parce que du coup pour ceux qui ne savent pas, Galax, le fameux youtubeur qui fait des vidéos depuis bien longtemps déjà, bah il fait une série là-dessus, ce qui m'étonne absolument pas. Et en vrai du coup bah je suis ses vidéos et vraiment le jeu il m'a l'air super intéressant. Bon après encore une fois je peux pas regarder toutes ses vidéos, mais je le suis quand même un petit peu. Et c'est vrai que ces vidéos sont super intéressantes tout ça, et le jeu il est super intéressant. Donc en vrai je vais voir, honnêtement je vais voir, je peux pas encore donner de réponse là dans l'immédiat par rapport à quand est-ce que ça va être. Mais un truc est sûr c'est que je vais me l'acheter, ça, honnêtement plus le temps passe plus j'ai envie d'acheter ce jeu, donc voilà quoi. Mais bon encore une fois ça sera pas avec les meilleurs graphismes au monde etc, mais je me dis pourquoi pas essayer de vous proposer ça quoi, voilà. Parce qu'il faut savoir que vraiment quand on regarde le prérequis pour la configuration minimale pour le jeu, bah en fait c'est ce que j'ai. Vraiment faut se dire ça, c'est ce que j'ai, une 1070, parce que j'ai une 1060, 16 Go de RAM, j'ai 8 Go de RAM, mais j'ai un meilleur processeur que ce qu'il demande. Donc bon, est-ce que ça compense un peu ou pas, j'en ai pas la moindre idée. En vrai ça se tente quoi, ça se tente. Mais bon après c'est sûr que 50 balles ça fait un peu mal. À la limite j'ai envie de dire je prends la clé Steam. Merde, je prends la clé Steam et puis j'essaye 2 heures, et puis si je vois que mon PC il tient pas le coup, bah je demande un remboursement et puis voilà quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Enfin bref, après ça se tente, hein. Bien sûr ça se tente, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc merde, attends, est-ce que je fais bien des... Ouais, je fais des 240, ouais, on va faire des 240, c'est pas grave. Mais non, en vrai, du coup, ouais, ça se tente. Donc n'hésitez pas à me dire encore une fois si ça vous intéresse ou pas. Je sais que je me répète un peu, mais c'est vrai que là, j'aimerais vraiment beaucoup avoir votre avis, quoi. J'aimerais vraiment beaucoup avoir votre avis, parce que bah, c'est vous qui regardez mes vidéos quand même, quoi. Voilà, et puis j'ai pas forcément envie de faire quelque chose qui ne vous plaît pas. Voilà, et puis bah vu que ça change complètement de ce que j'ai l'habitude de faire, bah, je préfère vous demander quand même avant. Bien évidemment, après encore une fois, moi ça ne m'empêchera pas de jouer, hein, même si je fais pas de vidéo dessus, ça ne m'empêchera pas de jouer sur ce jeu qui m'a l'air juste encore une fois fabuleux. Voilà, moi j'aime beaucoup... J'aime beaucoup le monde d'Avatar comme j'ai pu le dire. Mais voilà quoi, bon petit aparté fait entre guillemets, voilà on va clôturer la parenthèse. Un truc est sûr c'est que normalement du coup on va pouvoir faire un petit peu tout ce que je voulais faire dans cet épisode, c'est à dire faner, endainer, presser. Bon malheureusement je peux pas tout faire moi-même, voilà comme vous avez pu voir j'ai dû mettre des ouvriers. Mais au moins on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut, enfin tout ce que je voulais. Alors également est-ce que tu crois que l'ouvrier il va être intelligent, il va me faire ça bien? Oh punaise il me fait ça bien. Oh jure. Oh jure, oh c'est bien ça. Oh je pensais pas qu'il me le ferait bien ça. Je pensais qu'il m'aurait fait de la grosse merde, mais non il me fait ça bien. Bah écoute tant mieux, j'ai envie de te dire, on va pas se plaindre, on va pas s'en plaindre. Mais bon ouais, du coup ça va faire un petit peu d'ensilage quand même. On va avoir un petit peu d'ensilage, on va avoir un petit peu de foin, on va avoir un petit peu de quoi nourrir nos animaux en général, et ça franchement c'est top. J'ai envie de dire c'est un petit peu comme sur la ferme cachée, en fait là je suis un petit peu en manque de tout, voilà, il manque du foin, il manque du foin parce que bah, j'ai quasiment plus rien à leur donner. Il me manque de l'ensilage, et encore j'ai les bottes enrubanées mais j'aimerais bien les vendre sur la ferme cachée, enfin bref, vraiment c'est un peu catastrophe sur toutes mes séries. Enfin toutes mes séries, j'ai que 2 séries tu vas me dire, donc bon comme ça c'est réglé. Mais non c'est vrai que c'est un petit peu la catastrophe là sur les séries en termes d'animaux on va dire. Ah parfait il s'est arrêté là, nickel. Hop, voilà parfait parce que c'est vrai que je me pose la question de comment il allait terminer son machin lui. Parce que bah du coup je me suis dit est-ce qu'il va réussir à prendre tout l'endin d'un coup ou pas, je sais pas. J'espère que oui, même si après je sais pas si le pick-up de la presse va réussir à le lever, enfin à le prendre d'un coup. Oh oui quand même. Bon du coup ce qu'on va faire c'est que on va en profiter, on va juste hop, te mettre là dans le chemin. Bon on va pas le rentrer encore une fois, désolé j'ai pas l'habitude de relier dans les cultures comme ça. Pour ceux qui me connaissent depuis pas mal de temps vous savez que je n'aime pas forcément faire ça comme ça. Mais bon là j'aimerais bien juste faire le boulot comme il faut. Et puis histoire de pouvoir avoir les vaches dans le prochain épisode. Vraiment c'est ce que je veux à tout prix, c'est avoir les vaches dans le prochain épisode. Comme ça voilà je fais l'enrubanage tout ça en vidéo. Je sème les champs en vidéo, j'ai fait de l'engrais tout ça, je fais tout ça en vidéo. J'accélère le temps et puis hop, voilà parfait. Et puis bah, tout simplement après, allez roule ma poule, allez zou, allez, voilà.
Et en gros, ouais, non, comme ça, je fais tout en vidéo. Et puis, comme ça, dans les prochains épisodes, on fait venir les vaches et on s'occupe des vaches. Et puis, comme ça, on sera bien. Alors, bon, je sais pas comment je vais faire, honnêtement. Je sais que je vais pas les faire livrer, entre guillemets. Je vais quand même les transporter moi-même, manuellement, on va dire. Bon, après, je sais pas si je vais, entre guillemets, faire comme, comme si je faisais appel à une société de transport, entre guillemets, dans le bétail et tout ça. Par contre, on a combien? On en a 5, 6, 7, 8, 9, 9 ballots quand même. Attends. Ouais, ça fait 5, 7, 8, 9. Ouais, 9 ballots. Ouais, c'est pas mauvais en vrai. Hein. C'est pas mauvais du tout, 9 ballots. Alors, je sais pas combien de tonnes ils font. Attends, on va regarder, ça fait combien de tonnes ça. 6 tonnes 5, donc ça fait 65 moins 9, 57, 56 tonnes d'ensilage. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Hop, voilà, parfait. C'est pas mal du tout, 56 tonnes d'ensilage là. Franchement, ça c'est top. C'est vraiment c'est top. Bon, du coup, on va quand même réussir à presser cette parcelle là. Enfin, j'espère. Je disais donc que j'espère pouvoir faire cette parcelle là au moins. Ah, c'est bon, ça me fait un ballot de foin. Parce que je suis en train de me dire, attends, le ballot il est drôlement foncé pour faire du foin. Et non, c'est bon, il me fait bel et bien du foin. Alors bon, je pense pas avoir autant de ballots de foin que de ballots d'herbe, pour la simple et bonne raison que bah là, en fait, les bordures de champs comme ça, bah en fait, j'ai pas pu les faucher parce que je voulais pas accélérer trop le temps non plus, pour éviter que les cultures poussent trop avant que je ressème les autres. Et allez, avance mon coco. Et bah du coup, ça fait que l'herbe qui était sur le côté, je pouvais pas le faucher alors qu'au milieu, oui. Donc bon, bah écoute, c'est comme ça et puis c'est tout, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Voilà, c'est comme ça. Allez, braque. Voilà, et avance. Donc non, en vrai, je pense qu'on va avoir moins de foin que d'ensilage. Après, est-ce que c'est vraiment grave? Je ne pense pas. C'est-à-dire qu'en gros, bon, bah, le foin, je m'en servirai que pour les vaches. Tu vas me dire, l'ensilage aussi, hein, bien sûr. Mais d'un autre côté, j'ai envie de te dire, pour les moutons, j'ai de la luzerne et tout ça. Donc en vrai, tranquille, j'ai envie de te dire. Là, c'est vraiment le foin, j'en ai besoin pour les vaches uniquement, pour pouvoir m'en servir pour les robots. Après, tu vois, si j'ai plus assez de foin, c'est pas grave. Je leur donnerai de l'ensilage comme ça manuellement et puis basta, quoi. On va pas chercher midi à 14h non plus s'il n'y a pas besoin. Hop, voilà, parfait. Braque. Allez, braque. Ah, c'est vrai que le fen, il a pas le meilleur angle de braquage quand même. Hein. Allez. Il n'a pas du tout le meilleur angle de braquage, ce tracteur-là. Hein. Ah ouais, par contre, là, ça va faire un gros pâté à prendre. Là. Il va pas réussir à tout prendre d'un coup, ça, c'est impossible. Hop, voilà, parfait. Bon, mine de rien, on va quand même sortir 3, voire peut-être même 4 ballots dans cette parcelle-là, ce qui n'est pas mauvais du tout. Ouais, j'allais dire, est-ce que ça serait pas plus intelligent de sortir de là et puis, ouais, bon, bah, tant pis, on est parti comme ça, on fait ça comme ça. J'allais dire, on va peut-être désactiver la presse et puis après la redescendre, enfin, represser l'herbe en descendant. Allez, monte la côte, petit coco. Allez, zou. Voilà, parfait. Alors bon, à la limite, ce que je peux faire, c'est essayer de garder le ballot à l'intérieur de la presse. J'espère vraiment qu'elle va pas tomber, cette botte-là. Ah, parfait, elle va pas tomber. Comme ça, en fait, là, je vais juste à venir une seule fois avec le JD, en fait, vu que je peux en prendre deux à la fois. Bon, c'est vrai que c'est un peu limite, hein, qu'on se le dise, c'est un peu limite. Attends, on va repasser... ouais, tu sais quoi, enfin, vu qu'on est parti pour passer à travers les betteraves, on va passer sur les betteraves, c'est pas grave. Mais non, en vrai, c'est vrai que, bah, vu que, bon, c'est pas très réaliste, mais vu que je peux en prendre deux, je me dis, autant en prendre deux, quoi. Voilà, on va pas se casser les pieds. Mais bon, en tout cas, un truc qui est sûr, c'est que là, du coup, on peut quand même finir de presser le foin. Ah, ça, c'est génial, ça. Ça, franchement, c'est top. On va pouvoir finir de presser le foin. Appelez, voilà, Nikaïs, nickel, tout ce que tu veux. Donc là, on en avait deux là-bas, et puis bah, après, on verra bien à la fin, une fois les ballots sortis, combien on en aura. Honnêtement, parce que c'est vrai que je suis curieux de savoir en foin, parce que du coup, je me suis dit, bah là, j'ai essayé de faire face à ce qui est à peu près la même quantité en foin et en herbe, en silage, quoi, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que bah, du coup, je me suis pas. J'ai pas vraiment fait gaffe à ce qui rapportait plus, honnêtement. J'ai juste dit, oh, bah cette parcelle-là, je la fais comme ça l'autre, ça fait à peu près pareil. Mais en vrai, j'en ai pas la moindre idée. Pour la simple et bonne raison que bah, je l'ai jamais fait. Déjà, cette parcelle-là, je ne l'ai jamais faite. Et en plus de ça, j'ai encore moins, entre guillemets, fait deux parcelles en même temps, etc. Et fait gaffe, entre guillemets, à combien chaque parcelle rendait. Individuellement, j'ai envie de te dire, c'est-à-dire qu'en gros, je voyais les deux parcelles ensemble. Ouais, je savais à peu près combien de ballots ça ferait, mais alors chaque champ individuellement, aucune idée. Honnêtement, aucune idée. Enfin bref, bon, hop, voilà, parfait, il me reste un entin à faire, et puis de toute façon le matériel on va le rentrer après coup, c'est pas grave. Alors je pense pas faire autant du coup, parce que là j'en suis à 4, donc 5, peut-être 7, ouais, bon. Ça veut dire que la prochaine fois je saurai que je devrais garder
la grosse parcelle là-bas pour avoir un maximum de rendement. Faut savoir également que du coup, bien sûr, j'ai mis de l'engrais dans les trois parcelles d'herbe, hein, donc ça change rien. C'est vraiment, bah, je pense, par rapport aux bordures de champs qui sont plus ou moins grands, je pense, que ça peut jouer. Donc là, ça fait 5, ouais, 6, 7 ballots, je pense. Je pense que 7 ballots, c'est le grand maximum que je peux faire du coup sur ces deux parcelles-là. Enfin, après, tu vas me dire, c'est déjà très bien, honnêtement, avec des ballots qui font. Ouais, mais après, ces ballots-là, ils sont plus volumineux, on va dire. Donc après, il faudrait regarder le volume des ballots au total. Donc là, on a 7 ballots fois, je sais pas combien de tonnes, j'ai pas regardé, enfin, combien de litres. Hop, voilà, parfait. Voilà, nickel. Donc ça fait 7 x 8, 56. Bon, en fait, c'est exactement la même chose. Si ça, c'est pas parfait, c'est exactement la même quantité. Eh bah écoute, si ça, c'est pas beau. Enfin bref, bon, en tout cas, je pense que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là-dessus pour cette petite vidéo, parce qu'en vrai, on a quand même pu faire un petit peu tout ce que je voulais. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!